On passe en caméra maintenant. Ouais, je suis en train d'appeler mes parents pour dire qu'on avait tué, puis j'ai appelé mon responsable du terrain. Salut, à la prochaine. J'ai appelé mon responsable du terrain, il s'en vient avec sa winch, sa mule, tout ce que ça prend. Bon, on s'en va à sa recherche. Oui. Puis d'après moi, il a fait 150 pieds. Peut-être moins. Bon, ben. Gang d'Olagao de Team Aventure Coshwood. Aujourd'hui, j'étais à la pêche à la truite avec des chums, Patrick Pombert et Guy Chatigny, deux membres de Team Aventure Coshwood. On était à la pêche à la truite en fin de journée avant d'aller faire une petite pause pour la chasse à l'ours. Fait que on s'amuse. Yes! Oui. Yeah! Beau! Yeah! Mon frère va être fier, là. C'est des avec ses bobites atelier AC. Oh! Monsieur Guy Chatigny. Oh, non, échappé. Là, j'ai gaspillé 3 minutes de vidéo pour ta grosse face. Ouais. Pour rien. En plein ça. Ça se veut que la roue marche pas en ce moment. Moi avec, je pense. Donald. Fichon, man. C'est là. Ouais, c'est ici la passe, les gars. Ouais, écoute, ça, c'est de la. Tu sais, il va faire du surf, le gros. Ah, oui, il en a fait d'eau. Yes, sir. C'est bon. Montre-moi ça, Donald. Peut-être une petite mouchetée. Du lac à... au Saguenay. Oui, monsieur. Pas grosseur qui compte, qu'ils disent. C'est la quantité, la qualité. C'est le plaisir. Le plaisir, oui. Plaisir, Coshwood. L'attaque. Donald, le team aventure, Coshwood. Yes, sir. Hey, oh, mon Guy, yes. Regarde-moi ici. Ouais. C'est une belle celle-là ou... Je ne sais pas, là. Non, une petite belle. Non, une petite mouchetée. Une petite mouchetée. Ah. On amène ça au bateau. Ouais. Ça va être bon de faire un porte-clés pour un truck Ford. Mon verre, là. Hey, une belle, ça paraît. 15 litres. Ok. Yes, sir. Une autre belle mouchetée. Ouais. On a un poignet de mouchetées. des bonnes attaques, tout. Je vous faisais 15 livres. 15 livres ou 15 centimètres? Ouais, il a une queue, man, une petite queue là, au bout. La truite, là. 6 pouces de long, mais une queue de 4 pouces. C'est pas moi, elle a mangé mon verre. Ben, moi, de toute façon, une chance que je les ai pas toutes pognées, ceux-là qui ont attaqué, on aurait coulé dans le fond du lac. Mais en effet, d'après moi, c'est la meilleure pause. En effet, oui. Si Patrick les aurait toutes pognées, là, on pourrait être en train de souper, là. On est en train de repogner tous ceux-là que Patrick a échappé. Bon, j'aime ça, les agacer. Le titiller, le bec. Oh yeah! Ouais. Fish on! Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Un petit problème de rire.
Oh, il a perdu sa note. Mais oui. Ramène ça à main, comme dans le temps de gros. Fais comme les Mexicains. Mais oui, mais Chris, elle est tombée où, ma note? Tu vas pas laisser ta truite niaiser longtemps, là? Elle est là. Il n'y a plus de rire. Ah ouais, Garo, défais ta noix, là, c'est ton rire, puis donne-y pour qu'il ramène sa truffée. Il est tombé où, le nanoc? Je l'ai entendu tomber. Peut-être ton bouchon de bien, moi. Hey, j'ai dit de pas tourner la caméra. Bon, ça va bien, mon enfant. Faites bien ça. On va te ramener ça à bonne frère. À mitaine. À mitaine. Puis mon Guy. Une belle expérience. Ah oui, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais perdu un schnorkel de même. Oui, Garo. C'est la première fois que tu vois ça? Manger des chips. Le capitaine, il se bat la face. Puis l'autre, il ramène. Ouais, il ramène. Il ramène, mais elle ne veut pas ramener ben, moi, je dis. Bon, ouais. Ben, on en revient. Attends, tiens-moi ça. C'est bon, on en revient dans 2 minutes. Ouais, on va vous la montrer un coup sorti. Ah non, c'est. Bigot. Oh, t'as l'air en forme. T'as shape. C'est quand même pas pire pour un lac qu'on n'est pas supposé de poignée de poisson. Là, c'est ça, là, le pombert. Là, c'est des coups, man, que j'aime. Mais crucial, c'est crucial. Crucial, hein? Moi, ouais, j'aime pas crucial. Hey, j'aimerais ça que tu fasses assez fort pour. Me frapper ça dans la face. Mais j'ai une lunette de sécurité. Tantôt, on voulait coller. Hein? Tantôt, on voulait coller 6 pouces de la trou. Hameçon. Puis, mon pirate. Il va y faire du slalom. Là, c'est un monstre. Oh oui, c'est ça. Gros, mon gars, ça tire en tabarnak le crucial. Et tabarnak. C'est un truc de cric, man. Mais. Je l'ai mangé. On va être brûlé à soir. Ça en est, là. Des petites d'avant, c'est bon, quand même. Oui, fais ça pour moi, man. Hein? Ah, t'aimes ça de faire taper la queue d'en face, toi? Ah, je pense qu'on va mettre la musique là-dessus parce que Garo, il a sacré à peu près 8 fois. Monsieur Pombert, vérifiez votre langage. C'est ça, Patrick Pombert de la Vallée. Oui, de l'Anoret. Exactement, oui. Ouais. L'Anoret, mais mon adresse postale est à la Valtrie. OK. Très bon guide de chasse. Je suis pas guide encore. Non, c'est vrai. J'ai pas mes cartes. Pas ses cartes. Ça prend des cartes? Oui. T'ajoutes ça chez Club Price? Oui. Costco, ils vendent ça à caisse. Je vais pouvoir dire que je suis guide de pêche, guide de chasse à l'orang-outan. Oui. Johnny, c'est là que j'ai acheté au Club Price. Pour la chasse, on pose pas de questions, mais pour la pêche, le catch and release, en tout cas, il a la verre. Je suis pour la fonte. Ouais. Yes, sir, man. J'ai fait un tir sur un ours d'environ 150-160 livres. J'ai attendu peut-être une quinzaine de minutes avant de partir à sa recherche. Puis là, je suis parti, puis j'ai trouvé aucun signe potentiel que j'aurais pu récolter cet ours. Fait que là, j'ai décidé de repartir. J'ai été chercher les chums au chalet, puis on va laisser aller ça. Fait que on va souper, puis après ça, on va repartir à la recherche de l'ours. C'est une gang d'affamés, Pat. Ah, hey, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Vous savez, ma mère, elle tourne, puis elle va déjà venir dans la maison, puis elle me dérange pas.
Ma tante est là. Ouais, ça va te faire. Ah, Donald. Qu'est-ce que c'est, les bas, Mr. Guy? Ma blonde avait aimé ça. On va l'appeler Mr. Guy. Ouais. Ça va toujours bien, Guy? Non, ça c'est anti-mosquito. Moi, je suis bon, mais tout parce que je. Regarde, elle a se mangé, pas moi. C'est anti-femme aussi, je pense, hein? Oui. Correct. Il y en a déjà une femme. Mais c'est correct, j'en ai déjà. Bonjour à tous, on est présentement dimanche le 18 juin. On est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Ferland-Boileau. On avait tout un défi cette fin de semaine, c'est de récolter deux ours en deux jours avec mes deux chums, Guy Chantigny et Donald Garreau. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que mission accomplie. Guy Chantigny, comment ça s'est passé ta chasse? C'est pour une première expérience, c'était... très enrichissant. On a appris beaucoup. On n'a pas tué un monstre. J'ai pas tué un monstre, mais très satisfait de ma chasse avec Patrick. On avait préparé nos baits. Puis on va s'en prendre l'année prochaine, 2018, pour y aller dans un plus gros format. Merci. Toi, Donald. Ah, moi, tout, ça s'est pas bien été. Ça s'est passé hier à 8h hier soir. Fait que j'ai bien aimé mon expérience. On a eu de la misère à la retrouver, là, grâce à Pat, parce que moi j'étais tout seul à mon spot. Puis quand j'ai fait le tir, ben, c'est le seul indice qui m'a donné, que j'ai réussi à croire que j'ai récolté mon ours, c'est que ça a fait le cri de la mort. Fait que c'est le seul indice que j'ai eu aucune trace de sang nulle part. Fait que là, j'ai reparti de mon spot, je suis venu chercher les gars au chalet, puis après ça, on a remonté avec Pat, puis Pat a trouvé une petite trace de terre sur une feuille à revirer. Puis on a cherché pendant un stick de bout. Ah, une bonne heure. Une bonne heure. Quand on a trouvé l'ours, on a retourné sur ses traces. Puis comme Donald dit, pas une goutte de sang. Mais on sait que l'ours, il n'y a pas souvent. Et ça a pris 30 secondes. Après 30 secondes, il a entendu le fameux cri. Ah ouais, c'est. Puis on a eu la chance de pêcher à la rivière Malbaie. On a fait des belles captures. Puis au lac AA, qui est situé juste ici à l'arrière. Puis, une belle expérience, mais l'année prochaine, ça ne sera pas deux jours, ça va être cinq jours, ce qui va nous permettre de laisser la chance de récolter un plus gros ours. Mais on a un de 135 livres avec Guy, on a un de 175 livres avec Donald. Fait que, on peut dire qu'en deux jours, là, c'est toute une chasse. Oui, c'est peu de temps pour faire des récolter, mais l'année prochaine, on va être plus patient avec plus de temps. Fait que, sur ça, on vous souhaite... une belle saison, puis bonjour à tous. Yes, sir. Yes.